Salut à tous, content de vous revoir. Eh ben ça fait plaisir, ça prouve que la dernière vidéo vous a plu puisque vous êtes de retour. Aujourd'hui, je commence avec des béquilles. Mais elles sont pas pour moi, c'est pour Charlotte, une copine qui fait du parcours et qui était à l'escalade et elle a fait une mauvaise chute. Oh mais quelle petite jambe toute cassée. Bon alors, on va te signer ton petit plat là, officiellement. Et on n'oublie pas le petit 3F. Bah nickel ma grande, t'as plus qu'à 3 mètres. Et puis après, j'irai grimper quelques trucs. Donc aujourd'hui c'est parti, on va aller découvrir ce nouveau Toi Emeraude ensemble. Ah oui, et puis évidemment... Intro. Je me suis mis dans une rue un peu plus calme autour du pâté de maison que je veux grimper. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'il y a un commissariat qui est exactement dans ce bloc de bâtiment. Bon, j'ai actuellement réussi à trouver un accès plutôt facile. Donc en soi, je suis dans l'ascenseur. Il n'y a plus qu'à aller voir s'il y a une trappe qui mène au toit. Voir si j'arrive finalement à ces fameux toits émeraudes. Un truc que je trouve de plus en plus sympa sur les toits de Paris, c'est les ruches que vous pouvez voir juste ici. Ouh. Ça y est, je l'ai trouvé. Ça fait plaisir en fait parce que ça fait quand même super longtemps un toit émeraude, donc de cette série là, ça me fait énormément plaisir. C'est comme pour moi un petit peu des petites émeraudes qu'on aurait lâchées sur les toits parisiens. J'ai repéré où était le commissariat, le but n'est pas du tout de grimper dessus, mais de rester vraiment sur l'axe de ce toit émeraude en tout cas. On continue, c'est parti. Qui ne va pas jusqu'au bout, il y en a beaucoup. Il y en a certaines qui ne vont pas jusqu'en haut des toits et certaines qui ne descendent pas complètement des toits, qui s'arrêtent en plein milieu ou à 3-4 barreaux. C'est assez dommage. Eh bien, je pense que je vais m'engager dans ce petit passage ici en espérant ne du tout me déranger la police, bien évidemment. Donc, je vais voir quel va être le meilleur accès pour passer là. Donc, cette partie-là, en fait, c'est le commissariat de police. Donc, le but est complètement d'éviter de les déranger, bien évidemment. Donc, moi, j'ai pas beaucoup de chemin à faire. C'est juste ici. Et là, je vais devoir passer sur un axe un petit peu compliqué puisqu'il y a des tuiles. Et je rappelle que les tuiles sont extrêmement dangereuses. Les personnes qui s'engagent sur des tuiles ont conscience que leur pourcentage de réussite descend énormément. Voilà. Et on va arriver sur la dernière faction du toit vert et remonter par l'échelle tout simplement.
assez solide. Donc dans l'idée, c'est de passer par là sans abîmer les tuiles. Donc on y va tranquillement. En sécurité, donc ça c'est le genre de choses à ne pas faire bien évidemment sans un entraînement au préalable, je le rappelle. Et on est arrivé sur cette dernière faction des toits émeraude. Ok, je viens de voir quelque chose qui m'a interpellé. Je sais pas si vous pouvez la voir d'ici, mais ceci là, c'est une caméra qui est ici, qui regarde dans un angle là-bas. Sur ces toits verts magnifiques. Peace!